Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka, Botena Binobanso. Wanzo kuwapenzi, wananchi wote, na wasalimia nyinyi wote. Bana bitu basubwe moyo wenu bonsoir. Bampangi ya Mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu yonso. Ana lengo, moyanyo, che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Chers compatriotes, le professeur Ndjabwana Mwanyina Lubaya-Batubenga, il est professeur dans une université là de Kinshasa, je ne sais pas laquelle. Il s'adresse tout droit au président de la République en Tshiluba et lui montre noir sur blanc que nous de l'UDPS, nous avons lutté pendant 37 ans pour avoir le pouvoir. Jusqu'à présent, nous ne voyons même pas que nous avons eu ce pouvoir. On ne peut pas avoir deux présidents dans un pays. Il lui montre tout ça en Tshiluba. J'essayerai de traduire au fur et à mesure comme je le pourrai. Voilà, chers compatriotes, vraiment c'est virulent son adresse vis-à-vis du président de la République, c'est sincère. Et c'est le constat, nous constatons avec lui que c'est la vérité. Voilà, chers compatriotes, je ne vais pas tout dire, je ne vais pas m'étaler. Vous allez écouter vous-même et nous allons essayer de traduire. Voilà. Cher notre homme et femme, nos frères et sœurs, nos compatriotes de l'UDPS, Monsieur Président de la République, chef de l'État. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. J'adresse ce message à vous, président de la République. Chef, je sais que nous avons lutté depuis 1982. Tshisekedi Mulumba et ses frères. Et les 13 parlementaires, on a lutté pour le pays. Pour libérer le pays du joug de Mobutu. Et ensuite, de Laurent-Désiré Kabila qui nous a amené les Rwandais pour nous plonger dans une autre servitude, esclavage. Nous avons lutté pour libérer notre pays, le Congo. Mais nous trouvons que la libération que nous avons cherchée, nous ne l'avons pas trouvée. Nous n'avons pas encore le pouvoir. Pourquoi? Parce que tous nos combattants qui luttent pour que vous puissiez les soutenir, ils se trouvent abandonnés. Ils essaient par tous les moyens, ils ne se retrouvent pas. Nous vous demandons de changer de mentalité pour qu'on avance.
Chez nous, actuellement, on dit que ça reste dit, même s'il y a des morts. Je vous parle en Tchiluba pour que tous ceux qui entendent le Tchiluba entendent et que tous les autres Congolais qui comprennent le Tchiluba entendent. L'état de droit que nous avons attendu, nous ne l'avons pas. Il continue toujours à arrêter des gens, les enfermer. On ne peut pas ouvrir la bouche parce que vous avez dit que vous ne pouvez pas fouiner dans le passé. Ces gens-là sont des tueurs, des voleurs. Est-ce que vous avez fait un pacte avec eux? Est-ce que vous avez fait un pacte de sang ou quoi pour que Kabila continue toujours avec les siens? On en a levé d'autres jusqu'à présent. Il y a des guerres partout. Tout ça ne plaît pas aux Congolais. Il n'y a jamais eu d'un président dans un seul pays. Vous ne pouvez pas prendre une partenaire à deux. Chacun passe à son tour. Il faut que le pays avance. Il ne faut pas que les Congolais continuent dans la servitude, dans la pauvreté. Vous avez dit que vous avez amené un état de droit. L'état de droit, on arrête des gens. Il y a des femmes prostituées qui prennent des vidéos et qui font arrêter des gens. Le contrat que vous avez signé avec les gens du FCC, il est très mauvais. Si vous avez signé avec Joseph Kabila, que ça reste entre vous deux, ça ne peut pas engager le peuple, ça ne peut pas engager l'UDPS. Nous vous avons élu. Vous avez gagné, vous êtes devenu président. Comment est-ce que vous allez diriger quand le Parlement se trouve dans les mains de Kabila? Le gouverneur de province dans les mains de Kabila. Les assemblées provinciales, même le Sénat. Alors, qu'est-ce que vous dirigez quoi? Vous avez quoi, vous? Rien que votre présidence, là. Comme vous n'avez pas encore compris, alors nous avons décidé de vous le dire ouvertement. Vous n'êtes pas dans le bon chemin. L'état de droit que vous avez proclamé, ce n'est pas celui-là. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Vous essayez de parler, ils montent des coups. Nous avons quoi? Il paraît que vous dormez. Réveillez-vous. Comment vous allez faire développer le pays comme ça? Nous voulons que le changement que tout le peuple attend commence maintenant. Changer tout et recommencer les élections des députés. Comme ça, vous avez la majorité, vous pouvez diriger le pays. Voilà, nous vous avertissons, hein, nous vous le disons ouvertement. Comment voulez-vous, de quelle manière voulez-vous qu'on vous le dise? Regardez autour de vous.
Est-ce que ces gens-là méritaient d'être autour de vous? Tous ces gens-là sont mauvais. Hein? Ils ne méritaient pas même d'être à côté de vous. Ah, nous sommes dans la joie parce que vous avez décidé de mettre quelqu'un d'autre. Félicitations. Un autre directeur de cabinet, félicitations. Faites la même chose avec tous les autres conseillers. Out, à côté. Nous savons que quand nous vous parlons maintenant, vous n'entendez pas ce message tout seul, mais tous les UDPSiens sont en train d'écouter, tout le peuple congolais aussi. Changez et trouvez ceux avec qui vous pouvez cohabiter. Ah, si nous parlons, on dit que ne parlez pas. C'est fini, on a parlé. Nous vous demandons tout ça pour que le pays avance. Voilà, chers compatriotes, j'espère que le président de la République a entendu, le peuple a entendu, les combattants de l'UDPS ont entendu. Le changement, c'est maintenant. Il faut tout chambouler maintenant. Et nous espérons que, avec la participation courageuse de la Cour constitutionnelle, maintenant qui rappelle à l'ordre à partir de la Constitution, que le président de la République soit vigilant. Parce que je pense qu'il est en train de marquer des points maintenant. La Cour constitutionnelle ignore le FCC, ignore le cash. Il faut repartir à la case zéro. Donc, l'AFDC A bis de Nenin Koulou n'est plus reconnu. Alors, il n'y a aucun parti politique qui a plus de 251 députés de majorité. Donc, il n'y a plus de majorité. Il faut que le président de la République s'appuie sur l'article 78 ou 78 de la Constitution pour nommer un informateur. Il y a eu des erreurs. Voilà. Alors, nous pensons que si maintenant le président de la République se trouve en position de force, les amis du FCC, les kabylistes, donc, ils vont chercher partout tous les moyens de faire du mal au président de la République. Alors, vigilance. Vous constaterez également que Natiaki Foto et à professeur Batubenga et Mwanyina Ndiambwanga Médard, Natiaki Foto Nayeo Yazali, moi, plus jeune, pour Namoni a changé Mingi, Batmansou va reconnaître y était, bon, Natiaki Foto Oyo Azali n'a moins de 10 ans, moins de 15 ans, quelque chose comme ça. Comme ça, Batba reconnaître. Voilà. Tosukiwana, chers compatriotes, Ingeta, le peuple d'abord.